qu'on se retrouve pour des produits terminés du mois de février. Donc on a fini donc des endives comme ceci, 1 kg, de la marque la Noyelloise. Donc on a bien aimé, pourquoi pas les racheter. On a fini donc du Sprite saveur citron concombre, comme ceci. Donc à Anose, moi j'ai bien aimé, pourquoi pas le racheter. On a fini donc du Schweppes Cola, comme ça, Dark Side. Attendez, comme ceci. Là, je suis pas habitué, c'est sur le téléphone. Donc comme ceci, moi j'ai bien aimé, pourquoi pas le racheter. On a fini en DLC courte à Leclerc, nos régions ont du talent, un assortiment de charcuterie d'Alsace, comme ceci, pourquoi pas le racheter. On a fini donc il y a des crèmes pot café de la laitière en réduction comme ceci, pourquoi pas les racheter. On a fini donc des dés de fromage comme ceci, tomate, olive de la marque Étoile d'Or, donc on a bien aimé, pour les salades on rachète. J'ai fini donc dans mes sushis, donc du saumon en petit quartier comme ça de la marque Carrefour. Je ne rachèterai pas, c'est pas bon du tout. J'ai fini un masque comme ceci, à la rose. Donc il est bien, pourquoi pas le racheter, c'est à Action, mais maintenant ils font plus des comme ça. On a fini donc des carambas comme ceci. Magicolor et caramel, on en achète de temps en temps, pourquoi pas les racheter. On a fini donc un mélange exotique de la marque Tokai ou Topkapi de Leclerc, pourquoi pas les racheter. J'ai fini un petit gel douche de la marque Lagami London de chez Nose, donc il était pas bien du tout, j'ai pas aimé. Donc je ne le rachèterai pas. Donc on a fini de l'emmental et du gouda comme ceci pour les salades à Lidl de l'Étoile d'Or. Pourquoi pas le racheter. Donc on a fini des pâtes à tartiner, donc Twix et M&M's de la Farfouille. Pourquoi pas les racheter, on a bien aimé. J'ai fini un gel douche cottage pour hommes 3 en 1 au piment. Comme ceci, je l'adore, pourquoi pas le racheter. J'ai fini un Axe Collision comme ceci, j'ai bien aimé le goût, pourquoi pas le racheter. On a fini des sneakers comme ceci, miniature, pourquoi pas les racheter, ça dépendra. On a fini une moutarde à l'ancienne de la marque Carrefour, elle est meilleure à Lidl, par contre, donc pas la racheter à Carrefour. On avait rajouté dans une choucroute donc du vin blanc de la villageoise pour en cuisiner comme ceci, on a bien aimé, pourquoi pas le racheter. Mon beau-frère a fini ses gâteaux gerblés comme ça qu'il avait eu je sais plus où, donc il a bien aimé, pourquoi pas les racheter. On a fini du boudin noir en DLC courte de chez Saint-Aldi, donc de chez Lidl, donc on l'aime bien, pourquoi pas le racheter. On a fini du café expresso comme ça, Safor, de la plantation de chez Leclerc, donc on le rachète à chaque fois. J'ai fini des lingettes baby wipe comme ça de chez Action, donc je les aime bien, je les rachète de temps en temps. J'ai fini donc un délice de crabe au homard comme ceci de la marque Kristen. Oui, c'est pas top top mais ça va, c'est bon quand même. On a fini un pack de tourtelles twist à la framboise comme ceci, pourquoi pas le racheter. On a fini un plat préparé sauté de veau comme ceci, c'est de l'express chez Lidl, ils sont très bons. On a fini donc des fromages frais Milbona de chez Lidl comme ceci, ils sont bien, on les rachète de temps en temps. On a fini des mini Kinder Bueno comme ceci qu'on avait fait la boule de Noël ou de premier de l'an, je sais plus, donc ils sont très bons, pourquoi pas les racheter. On a fini de la mousseline en gros paquet comme ceci, pourquoi pas la racheter.
On a fini de la rillette halal comme ceci au poulet pimenté. Donc on a bien aimé, pourquoi pas le racheter. On a fini de la soupe régale comme ceci aux patates pommes de patates, oui, bien sûr. Aux poireaux pommes de terre. Donc pourquoi pas le racheter. On a fini des pépites de chocolat de la marque Vainé. On a bien aimé. Un autre plat de chez Lidl, donc blanquette de veau de chez Lidl, donc on aime bien, on les rachète de temps en temps. On a fini de la soupe Liebig. Alors là, c'est aux légumes et kiri, pourquoi pas le racheter. On a fini des crêpes fourrées au boursin, comme ceci, de la marque Cavotte. Donc pourquoi pas les racheter, c'est bon, ça a un bon goût. On a fini de la marque Auchan, donc les pains au chocolat cuits au four et les croissants. Ils sont très bons, pourquoi pas les racheter. On a fini donc les oignons de la marque Frechona en congelé de chez Lidl. Donc on les aime bien, on les achète de temps en temps. On a fini pour la Tassimo du Sucha en chocolat. Donc on l'achète tous les mois. On a fini donc des caramels au chocolat comme ceci de la marque Confiséo, de la marque Repère de Leclerc. On a fini des têtes brûlées comme ceci roses. Donc pourquoi pas les racheter. Moi pour les sushis, donc j'ai pris du tanoshi en de l'algue séchée pour faire mes sushis. Donc je les achète à chaque fois, ils sont très bonnes. Donc pourquoi pas les racheter. On a fini des marques comme ceci miniature aussi. Pourquoi pas les racheter. On a fini donc de l'or expresso comme ceci pour la Tassimo. Donc on l'achète aussi, le café, c'est banal chez nous, on en achète souvent. On a fini un camembert d'Isigny comme ceci, un peu fort, mais pourquoi pas le racheter, mais ça dépend du prix. On a fini donc des bonbons mélangés comme ça qui piquent. Mais ils sont très forts, il y en a au piment. Donc c'est à dose. Donc on a bien aimé, pourquoi pas le racheter. On a fini des Haribo Star Mix comme ceci. Ils sont bons aussi, pourquoi pas les racheter. Après on passe au Caramba comme ça, extrême. Par contre ceux-là, moi j'aime pas du tout. Mon beau-frère, ma soeur, ma mère aiment bien. Pourquoi pas les racheter. Et on a fini aussi les têtes brûlées au. Ouais, Star Poudre à cible. Comme ceci, pourquoi pas les racheter. On a fini aussi des Twix miniatures, comme ceci. J'ai fini. Excusez-moi pour le bruit. Du riz à sushi Tanoshi, comme ceci. Donc il est très bon, je vous conseille. On a fini des arlequins comme ceci de la Clutie. On les rachètera, je pense. On a fini donc des carambas caranouga comme ceci. Pourquoi pas les racheter? Ma sœur a fini ses paniers aux chèvres, donc elle les adore à chaque fois, elle les rachète. Donc on a fini donc les lingettes Baby Swag comme ça en pack de 4. On a fini les pistaches de la marque Eco de chez Leclerc, pourquoi pas les racheter. Mon beau-frère a fini son Perrier au citron, donc il aime bien, pourquoi pas racheter. Ma soeur a fini son Fusti comme ceci. En marque en DLC courte, pourquoi pas lui racheter, ça dépend. On a fini des Twinettes salées comme ceci en format familial, donc on a bien aimé, pourquoi pas racheter. On a fini des Carambas mix donc à la vanille, aux noisettes et au caramel beurre salé, ça c'est mon régal, pourquoi pas les racheter. On a fini de la brique comme ceci, de la marque Carrefour, donc on a bien aimé. Pourquoi pas la racheter?
Donc là, ma sœur a fini ses perles de lait à la vanille en format 8 plus 2 gratuit de chez Yoplait. Donc elle adore. Donc pourquoi pas lui racheter. Mon beau-frère a fini son Perrier Juice comme ça à la mangue ananas. Il a bien aimé. Pourquoi pas lui racheter. Mon beau-frère a fini donc son Perrier naturel normal. Donc comme ça, il a bien aimé. Pourquoi pas lui racheter. Donc on a fini des piles Panasonic de chez Action et de chez Noz, donc il y avait moins 25% dessus. Voilà, ils sont très bien, pourquoi pas les racheter. On a fini de la marque Dolce Gusto de l'Expresso Generoso comme ceci. Donc pourquoi pas le racheter. On a fini donc de chez Auchan dans le rayon discount, donc des pétales comme ceci. Donc on a bien aimé, pourquoi pas les racheter. On a fini des Vico très croustillantes de chez Noz. Donc on a bien aimé. Après, pourquoi pas les racheter. On a fini donc de la crème fouettée légère comme ceci au rayon. Ça doit être Discount de chez Auchan ou je sais plus où. À la vanille. Donc on a bien aimé. Pourquoi pas la racheter. Mon beau-frère et ma sœur ont fini leurs nuggets de poulet, donc ils ont bien aimé, pourquoi pas les racheter. On a fini des Airwaves à la caféine, donc c'est des chewing-gums à la caféine, donc ils sont bien, c'est un peu fort, mais c'est très bien. On a fini donc du café expresso, comme ça pour la Dolce Gusto, donc on en achète tout le temps. Ma sœur a fini ses perles de lait nature, là, ce coup-là, en 8 plus 2. Donc elle s'en reprend de temps en temps. Mon beau-frère a fini son thon albacore petit navire comme ceci. Il l'aime bien, il rachètera. On a fini du taboulé aux tomates fraîches garbi. Donc on a bien aimé, pourquoi pas racheter. Donc pour les préparations à la maison des salades, donc on achète des patates fraîchoas sous cellophane comme ceci. Donc il faut faire très attention à Lidl. Des fois il y a des lots qui sont pas top et des lots qui sont top. Donc après ça à vous de choisir. Mais je conseille, ils sont bons. On a fini donc du saucisson comme ceci de chez Carrefour en discount. C'est un saucisson que je conseille pas, il n'est pas bon du tout. On a fini des rillettes halal comme ceci au poulet rôti. On les aime bien, pourquoi pas les racheter. On a fini du Pepsi comme ceci en 1 litre 5, donc pourquoi pas le racheter, il est bon. On a fini pour la Tassimo. Du café grand-mère comme ceci, on l'achète de temps en temps, il est bon. On a fini donc des tartines Jacquet comme ceci. Donc pourquoi pas les racheter. On a fini de la marque Harvey Basket, donc des allumettes, donc des frites allumettes à Lidl, ils sont bonnes, je conseille. Donc on a fini du boudin blanc de chez le Carrefour, comme ceci au Porto. Il était bon et on en a fini en DLC courte de chez Lidl. C'est la même entreprise, c'est les mêmes boudins, ils sont autant bons. On a fini des Bounty Mini comme ceci, pourquoi pas les racheter. Mon beau-frère a fini ses carrés frais, donc... Elle est vire comme ceci aux fines herbes et nature, donc il a bien aimé, pourquoi pas lui racheter. Donc on a fini donc du velouté de tomates de la marque Régal comme ceci, les soupes on en mange de temps en temps. On a fini des mentoches pures fraîches comme ceci, pourquoi pas les racheter. Ma sœur a fini son Ice Tea Sun du rayon discount de Auchan. Alors il est meilleur en canette que celui-là en bouteille, il est pas bon du tout. Ma sœur a fini donc ses perles de lait comme ceci à la fraise. Donc là il n'y en a que 4, donc elle les adore. Ma sœur a fini son Fanta comme ceci, mais en ce moment elle se délaisse un peu du Fanta. Elle préfère d'autres boissons. On a fini de la mozzarella par 3 de la marque Auchan. Donc on l'achète de temps en temps. On a de la marque Auchan, on a fini de l'expresso pour la Dolce Gusto.
Voilà. On a fini donc du comment du papier ah, purée, du sopalin, on va dire, voilà, de chez Lidl en XXL. Donc pourquoi pas le racheter. On a fini du jaquet en pain de mie, ce coup-là, comme ceci, nature. On a bien aimé, pourquoi pas le racheter. On a fini donc des boules fraises comme ceci de chez je sais plus où. Donc voilà. Donc on a bien aimé, pourquoi ça, je crois que c'est Auchan. Donc on a bien aimé. On a fini des nuggets de pardon, excusez-moi, de poulet comme ceci à cuire au four de chez Auchan, donc on a bien aimé. On a fini du blanc de poulet comme ceci de chez Auchan, ou c'est mon beau-frère, je sais plus, on a bien aimé. Voilà. On a fini du Pepsi Max comme ceci sans sucre en 1 litre, donc on l'aime bien, pourquoi pas le racheter. On a fini de la marque Freshoa, donc des champignons coupés, donc très bon. Lidl, on est très content, ça va, des produits. On a fini donc de la confiture Mirabelle comme ceci à la fraise de chez Lidl, toujours très bon produit. On a fini des haricots rouges de la marque Auchan, donc ça va. Après, il n'y a pas de souci. On a fini. Donc un vinaigre balsamique de la marque Argentino de chez Lidl. Donc on le prend souvent, il est très bon. On a fini de la crème Envia, donc de chez Lidl en semi-épaisse, comme ceci, en petite bouteille. On a fini donc des salsifis comme ceci de la marque Auchan. Donc ils sont top, donc pourquoi pas les racheter. On a fini des pommes de terre rissolées comme ceci, pommes lisses de chez Leclerc. Alors si je conseille Leclerc, les pommes de terre rissolées à la poêle, ils sont pas top top top. Je vous conseille celles de Lidl. Donc on a fini des Kinder Maxi Mini comme ceci, pourquoi pas les racheter. J'ai fini un masque comme ça de chez Action, au l'aloe vera et au jojoba. Il est très bien, il hydrate et il fait son job. On a fini une pâte à tartiner Bounty, donc très bon. On a fini donc du café express, non, de l'expresso, non, du, oui, expresso du Pérou, donc en bio, donc pour la Dolce Gusto, donc on a bien aimé, pourquoi pas le racheter. Ma maman a fini son fromage éco de chez Leclerc en double crème. Elle l'aime, moi je l'aime pas. J'ai fini un axe que j'avais pris à marquer comptant à 2 euros, comme ceci, pourquoi pas le racheter. Encore une boîte de cœur de palmier, mais là en petite de chez Auchan, on a bien aimé. On a fini donc des vaches qui riment Ilbona, comme ceci de chez Lidl, donc on les aime bien, pourquoi pas les racheter. J'ai fini un masque comme ceci d'Action du docteur Van Oorthoog à l'oxygène, donc il est très bien, pourquoi pas le racheter. Ma sœur et moi, on a fini donc des Hollywood au parfum fruit d'été, donc on a bien aimé, ça va. Donc mon beau-frère et ma sœur ont fini de la marque Lay's leurs chips au four, comme ceci, ils les aiment bien, ils les aiment bien. Donc pourquoi pas les racheter. On a fini en délai court donc des préparations en bouteille de cookies à Carrefour Market, donc on les aime bien, pourquoi pas les racheter. On a fini de la soupe Knorr en 8 légumes comme ceci, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. J'ai un fou rire, excusez-moi. Donc après, en bouteille, excusez-moi. Donc en bouteille, on a un fondant Alza comme ceci. Donc on a en DLC courte aussi. Voilà. Excusez-moi vraiment. Après, on a de la crème pâtissière sans cuisson
de la marque Roncel, donc comme ceci, donc on l'achète souvent. Pourquoi pas la racheter? Vraiment, excusez-moi. On a fini. Oui, donc je disais, donc on prend les tissus Ezelis de chez Leclerc. Moi, j'adore ça. C'est mon péché mignon. Voilà, pourquoi pas les racheter. Après, ma sœur a fini donc des yaourts Bonne Maman et yaourts et à la confiture de framboise. Donc, elle va les tester parce que voilà, les amidons après les terminer, mais elle va les tester. Ma sœur a fini donc ses perles de lait comme ceci en 4 à la saveur vanille. Donc pourquoi pas lui racheter. Mon beau-frère a fini ses Tahiti nature comme ceci à 0%. Pourquoi pas lui racheter. Ma sœur a fini des cheesecakes à la framboise comme ceci. Ma maman donc a fini en DLC courte comme ceci de la panna cotta au coulis de Manque Passion comme ceci. Donc nous on a fini donc du Saint-Agone comme ceci en DLC court. Donc c'est du chorizo. Ils disent doux, mais je dirais plutôt fort. Donc pour moi, je ne conseille pas. Donc moi j'ai fini un spray comme ceci de la marque Propolis en spray buccal, thym et au propolis, comme ceci je conseille pour les mal de gorge. Et pour finir, donc nous avons des perles de lait que ma soeur adore au caramel beurre salé. Donc merci les gens d'avoir regardé et à la prochaine. Bye!